Ok, donc aujourd'hui on va faire un petit WOD full body. C'est les WOD qu'on appelle 300. 300 parce que 300 répétitions. Donc 300 répétitions de mouvements, on va le décomposer en 6 mouvements et on va venir faire 50 répétitions de chacun de ces mouvements. Donc en échauffement, moi si vous avez la possibilité, je vous conseille de faire un petit échauffement cardio sur un quart d'heure, donc ça peut être sur vélo, sur elliptique, sur rameur, ça peut être de la course sur place, c'est comme vous voulez, mais de faire un petit échauffement cardio, ça peut être intéressant. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit exercice de mobilité, on va venir faire aussi un petit exercice de proprioception pour s'échauffer, et puis on va répéter juste 10 répétitions de chacun des mouvements, comme ça je peux donner un peu s'il y a des explications techniques sur chacun d'entre eux. Donc, travail de mobilité, on va venir dans un premier temps essayer de descendre dans une position de squat bas ici. Donc là, squat bas, on vient se positionner, on trouve sa place là entre les hanches. Si on a de la difficulté à descendre parce qu'on bascule en arrière, vous pouvez faire un petit peu comme moi je fais. Là, j'ai mis les talons sur le tapis et puis les pieds en dehors. Ou surélever un petit peu vos talons, ça va vous aider à compenser en fait le manque de mobilité dans les chevilles. Et vous allez avoir cette sensation d'être mieux placé. On va venir faire un travail d'ouverture. Je viens placer un coude dans mon genou, là par exemple à gauche, et j'ouvre avec ma main droite. Et puis je vais faire ça 5 fois de chaque côté. Et 5 fois. Je reste un petit peu ici. On va venir travailler un petit peu la mobilité des hanches. Donc là, je vais sortir un petit peu les bras des genoux et je vais venir essayer de poser un genou vers le sol. J'essaie de pas trop bouger mes bras devant. Faut pas forcément tourner ici. J'essaie de garder là et pareil, 5 fois de chaque côté. Et 5. Et on se relève. Ok, on va faire un petit exercice de proprioception. On va se mettre en équilibre sur une jambe. Dans un premier temps, genou tendu. Donc là, genou tendu, on va travailler plus les muscles du pied et de la cheville. On va créer des déséquilibres avec le haut du corps. Donc je vais mettre les bras en croix comme ça et je viens tourner. Ok, on repose, on relâche, on change de jambe. Je prends la position d'équilibre. Une fois que je suis stable, allez, trois rotations de chaque côté. 1. Souvent, on a commencé par sa jambe la plus simple. Donc là, forcément, c'est plus dur. 2. 3. Très bien. On va travailler encore un petit exercice de proprio, mais cette fois genou fléchi pour engager davantage les muscles du bassin et puis tout ce qu'il y a à voir autour du genou. Donc genou fléchi ici. Et puis là, on va venir faire des mouvements. Je monte, je regarde au ciel parce que de faire bouger ma vue, mon regard, c'est beaucoup plus difficile que quand je fais juste ça en gardant le regard fixé au même endroit. Donc là, je lève les bras au ciel et je lève le regard au ciel en même temps. Pareil, on va en faire 5. 1. 2. 3. 4. Et 5. Je change. Je mets sur ma jambe gauche. Je fléchis le genou. Je prends l'équilibre. Et c'est parti. 1.
Hop là, 2, 3, 4 et 5. Impec. Donc on a dit 300 répétitions. 300 répétitions, 6 exercices. Premier exercice, on va faire dans du très simple. Encore une fois, on essaye d'avoir des choses qui sont praticables un petit peu partout, qui ne nécessitent pas trop de matériel. Donc beaucoup d'exercices au poids de corps ou avec du tout petit matériel, parce que ce qui compte, c'est la régularité des stimulations. Donc, eh ben, on va avoir des squats. Donc, on est parti, on va faire 10 squats pour s'échauffer, faire ce petit tour de chauffe où on répète 10 répétitions de chacun des exercices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, ce sera le premier mouvement. Le second mouvement, ça va être un exercice de fente. Pareil, mouvement assez connu, assez qu'on répète assez régulièrement. Sauf que cette fois, on va venir faire des fentes arrière. On a vraiment l'habitude d'aller faire une fente vers l'avant. La fente arrière, c'est aussi un mouvement très intéressant, qui est un petit peu différent sur la coordination et donc qui est pertinent à travailler. Donc je vais partir de cette position. On aura 50 mouvements à faire. On en fera 25 à gauche, 25 à droite. Là pour l'échauffement, 5 à gauche, 5 à droite. Donc on est parti. Je viens faire 1, 2, 3, 4, 5. On essaye sur la fente d'aller vraiment chercher loin derrière avec le pied et de ne pas avoir le buste qui part trop en avant. On essaye de garder le buste droit, le regard à l'horizon. Le but, c'est pas d'être ici. Donc, je viens garder le buste à l'horizon, le garder le buste relevé, le regard à l'horizon. 2, 3, 4 et 5. Troisième mouvement, ce sera un mouvement de hip thrust. C'est pour ça que j'ai mis un banc ici. À la maison, vous pouvez le faire avec le bord du canapé, le lit. Ça marche bien, ou si vous avez un petit banc, ben ça fait parfaitement l'affaire. Donc là, le hip thrust, je viens me mettre en appui sur les épaules, ici. Je laisse tomber le bassin et je relève vers le plafond. Donc c'est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Hop. Après le hip thrust, on va avoir un exercice pour la sangle abdominale. On a dit que c'était un WOD full body. Donc là, on a vu pas mal de choses déjà sur le bas. On va avoir un exercice pour la sangle abdominale. Donc, c'est un exercice de relevé de genoux. Ce qu'il faut absolument faire pour que cet exercice soit bien réalisé, c'est de plaquer ma région lombaire au sol. Donc là, je fais ce qu'on appelle une rétroversion. Je plaque ma région lombaire au sol. Et ça ne doit pas bouger du tout pendant toute la réalisation de l'exercice. Vraiment, s'il y a un truc sur lequel il faut se concentrer, c'est toujours maintenir cette rétroversion, garder le bassin, le dos plaqué au sol. Depuis cette position, je vais venir, je peux croiser les mains ici, je peux me mettre comme ça dans un premier temps. Décoller les jambes jusqu'à avoir les fémurs verticaux et là je contrôle ma descente. Et quand je descends, là mon bassin il a qu'une envie, hop, c'est de repartir vers l'avant. Donc c'est là où justement se fait tout le travail de stabilisation parce que c'est à ça que servent vos abdos, de stabiliser le bassin. Donc je garde la rétroversion et je vais venir faire comme ça 10 répétitions. 1, 2, 3. 4, et ça ne doit pas bouger du tout ici. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Exercice suivant, un exercice pour la chaîne postérieure. L'exercice du good morning, un exercice vraiment que j'adore et que je pratique très souvent. Je viens mettre un poids sur l'avant. Si j'ai une haltère,
je peux, ou une barre, je peux la mettre sur l'arrière aussi. En tout cas, je laisse le poids ici plutôt sur la partie haute du corps et je vais venir reculer loin les fesses en arrière et avancer les épaules et la tête vers l'avant. Ce n'est pas un squat où je descends mon centre de gravité. C'est vraiment comme si j'avais un mur derrière là. Je vais essayer d'aller le toucher, d'aller pousser mes fesses loin derrière jusqu'à sentir une tension derrière mes ischio-jambiers. C'est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Le dernier exercice qu'on va avoir dans ce circuit de 300 répétitions, c'est un exercice quand même pour la partie haute du corps, qui est importante pour les coureurs également, hein. Donc on va faire un exercice de push jerk. Donc j'ai un poids ici, une haltère, un kettle, un medicine ball comme ça, peu importe, et je vais venir pousser au plafond. Donc je pars de la poitrine ici et je pousse au plafond. Donc là, je ne vais pas aller le coller trop à la poitrine parce que sinon, avec le micro, ça va être hyper désagréable. Mais c'est pareil, on est parti pour 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait, donc là, on a fait le tour de nos exercices, on s'est échauffé un petit peu dessus, un peu de mobilité, un peu de proprio, on a répété les exos. Donc, les 50 répétitions, vous n'êtes pas obligé de les faire d'un coup. Ça dépend de vos capacités, ça dépend de votre niveau, ça dépend du poids que vous allez utiliser si vous utilisez de la charge. Donc, chacun peut découper un petit peu comme il veut. Là, moi, ce que je vais faire pour la vidéo, c'est je vais faire deux séries de 25 sur chacun des exercices, sauf peut-être pour les fentes, vu que c'est un nombre impair. On va couper à 20 et 30 par exemple. Donc, moi je vais couper comme ça. Maintenant, si vous vous sentez que c'est trop difficile de faire déjà une série de 25, n'hésitez pas à mettre sur pause, vous faites votre récupération et vous enchaînez derrière. On est parti, donc 50 squats, on attaque, deux séries de 25, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Donc là, si vous sentez bien, vous pouvez avancer un petit peu, continuer votre répétition. Si vous sentez que c'est déjà difficile, vous appuyez sur pause pour récupérer. Et sinon, bah, si tout va bien, on enchaîne direct. Le but, c'est quand même d'enchaîner les exercices un petit peu le plus rapidement possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Parfait, on passe aux fentes. Les fentes, je vais couper, je vais faire 30 puis 20. Donc ça fera 15 à gauche, 15 à droite, puis ensuite 10 à gauche, 10 à droite. On est parti. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on change, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Petite pause pour ceux qui le veulent. On récupère, on met la vidéo sur pause. Et si tout va bien, on reprend 10 répétitions de chaque côté. Il nous reste, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait, c'est bon pour les fentes. On enchaîne direct sur les hip thrusts. Je pose les épaules. Je me place bien. 2 fois 25. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Petite pause. Pensez bien sur le hip thrust à vraiment pousser les fesses vers le haut. Il faut que vous sentiez que vos fessiers se contractent très fort et poussent vers le haut. Il faut vraiment garder l'amplitude du mouvement. On part sur les 25 restants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, vers le haut. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Parfait. Ça doit commencer à chauffer un peu. On passe aux abdos. Ça va permettre aux cuisses de se relâcher un petit peu. Donc là, je répète, hein, vraiment rétroversion à fond. On maintient bien le dos plaqué au sol. C'est ça qui va faire la différence, c'est ça qui va faire vraiment bien travailler. On est parti 2 fois 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25. Petite pause. Plus vous posez loin les pieds, plus c'est difficile de maintenir. Plus c'est prêt, plus c'est facile. Donc vous pouvez jouer sur la résistance en fonction de ça. Ceux qui veulent augmenter un peu la difficulté, vous pouvez aussi décoller la tête et laisser les mains derrière ici. Allez, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça bouge pas ici, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Parfait! On passe au good morning. Travail sur la chaîne poste. Les ischio-jambiers. On met le ballon ici, on met le poids derrière la tête sinon. D'ailleurs, je vais le faire comme ça sera mieux pour le micro. Allez, c'est parti, 2 fois 25 également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On ramène bien les fesses devant. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Petite pause. On bouge un petit peu. On met sur pause pour ceux qui ont besoin de récupérer. Ça commence à transpirer un peu. Et sinon, on enchaîne. Allez, les 25 suivants. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Parfait, c'est bon pour les good morning. Il nous en reste plus qu'un. Il nous reste le push jerk. Donc, je prends le poids et je l'amène au plafond. J'ai le droit de m'aider d'un petit mouvement de bassin de jambes. Donc on est parti. Pareil, 2 fois 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. On récupère. Ça peut chauffer dans les épaules suivant le poids que vous avez utilisé. Et si ça va bien,
Et ben, on part pour les 25 dernières répétitions sur ces 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Parfait, bravo. C'est tout bon. Donc là, on vient de faire 300 répétitions. Donc ce WOD 300 est accompli, c'est tout bon. Évidemment, si vous voulez augmenter la difficulté, bah, vous pouvez soit utiliser des lests, du poids, de la charge sur chacun des exercices, sur le squat, sur les fentes, sur le hip thrust, sur le good morning et sur le push jerk. Donc vous pouvez utiliser des résistances, ce qui va augmenter la difficulté. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, doubler et passer sur un WOD 600, faire une petite pause au récup et reprendre exactement la même chose pour un deuxième tour. Donc voilà, il y a plein de possibilités pour augmenter la difficulté. C'est tout bon pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et encore bravo.